Spannend in diesem Projekt ist der koinnovative Ansatz. Ein- bis zweimal pro Jahr treffen sich Landwirte, die die Maßnahmen umsetzen, die Berater, die die Landwirte in diesem Projekt betreuen und auch die Forschung, die das Projekt wissenschaftlich begleiten. Diese drei diskutieren an diesem Workshop, was ist gut gegangen, was können wir verbessern, um noch mehr Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, um die Maßnahmen praktikabel zu machen, und auch zusammen werden neue Ideen gesammelt, die dann nächstes Jahr umgesetzt werden können. Avec des semis plus précoces, on a toujours aussi un petit peu la problématique de l'allongement qui revient. Enfin, je pense que tu as constaté d'autres choses ces dernières années, mais je pense que il n'y a pas beaucoup de soucis de gel sur les colzas. Du tout, ils sont du tout, du tout. Pas attaqués. On n'a jamais eu de problème. On a eu une fois une paire d'années, mais il est reparti. Mais c'est vraiment, ça a été des gels pendant l'hiver. Alors, l'objectif de ce projet PestiRed vise à une réduction de produits de phyto de 75%. Alors, j'ai intégré le programme PestiRed parce que j'ai pour l'ambition de faire une conversion dans le bio dans le futur. Et du coup, j'en ai vu l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances. Im Projekt PestiRed nehmen 68 Landwirtschaftsbetriebe teil. Dies in drei Regionen. Einerseits im Kanton Solothurn 20 Betriebe, dann im Kanton Waadt 40 Betriebe und im Kanton Genf 8 Betriebe. Im Kanton Waadt sind die 40 Landwirtschaftsbetriebe noch in drei Gruppen unterteilt. Jeder Landwirt hat dann eine innovative Parzelle und eine Kontrollparzelle. Auf der Kontrollparzelle bewirtschaftet er den Boden wie üblich. Auf der anderen Seite haben wir eine innovative Parzelle, wie eben gerade hinter mir. Das ist eine innovative Parzelle, auf der der Landwirt vorbeugende Maßnahmen umsetzt, um möglichst den Einsatz von Pflanzenschutz reduzieren zu können. Alors voilà, ici on est sur notre parcelle innovante de colza. La culture précédente, c'était des pois. On a commencé par un purinage dans la parcelle. Et après, on a fait un labo et on divise tout. On a fait un sous-semis. Pour chaque groupe PestiRed, une rotation type a été conçue de manière à limiter directement l'utilisation de produits phytosanitaires. Une rotation type exemple serait maïs, blé, pois, colza, orge, puis prairie. Ici, on a évité de mettre une céréale avant le colza afin de ne pas avoir la problématique des repousses. Elle est définie sur 6 ans, avec pour but d'avoir un enchaînement identique sur toutes les exploitations. In PestiRed ist ja das Wirkungsziel eine Reduktion der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln um 75%. Dies mit vorbeugenden Maßnahmen und mit einer maximalen Reduktion des wirtschaftlichen Ergebnisses eines Betriebes von 10%. Dans chaque culture, des mesures spécifiques sont mises en place. Ces mesures peuvent être ciblées sur la réduction des populations initiales, des mesures d'évitement ou alors des mesures de lutte directe, que ce soit mécanique ou chimique. Ces types de mesures sont appliquées, que ce soit sur les adventices, sur les maladies ou sur les ravageurs. On a fait un semis classique avec une densité de semis réduite de 20% à la parcelle témoin. Et en plus de ça, on a fait une bonde de 3 mètres, qui est ici, d'une variété beaucoup plus précoce. 3-4 jours après, on a passé la houe rotative, hein, comme désherbage, donc on n'a pas trop tardé parce que 2 jours après, le colza était déjà levé. Nous avons simplement suivi le programme qui était d'installer la cuvette, contrôle des insectes, on a mis le tapis anti-limace, on a suivi, on a fait ses relevés. Rien trouvé d'anormal, très peu de morsures. Ouais, vraiment, ça a bien fonctionné. Par rapport à un itinéraire classique, on a aussi cette date de semis qui était passablement avancée. Hein. Je ne sais pas si chez toi, c'est courant de semer aussitôt, ou bien ça fait quelques années que tu fais comme ça. Pas aussitôt, c'est vraiment la première fois. Hein. Donc on a une mesure d'évitement là. Quand on a l'arrivée du vol autour du 15 septembre, je pense que tu l'as vu dans les cuvettes, on se retrouve avec un colza qui est déjà vigoureux. Et puis malgré quelques trous dans les feuilles qu'on peut constater, il a pu supporter l'attaque et on n'a pas eu de dégâts par rapport à l'altis adulte. La mesure d'évitement la plus simple, c'est le décalage de la date de semis. On va mettre en place la culture à des périodes peu propices pour certaines adventices ou alors à des périodes qui ne sont pas situées dans les vols principaux des ravageurs. Ainsi, on va limiter la pression sur la culture. D'autres mesures seraient par exemple les sous-semis ou les plants de campagne, qui vont attirer les ravageurs et ainsi aussi diminuer la pression sur la culture. Autre intérêt du sous-semis, en plus des insectes, hein, on a parlé de semer le colza moins dense, donc on va apporter plus de lumière, plus de place pour les adventices. En apportant ces plants de campagne, on va combler ces espaces avec des plants qu'on connaît. Je pense que tu ne te fais pas trop de soucis par rapport à la gélivité de tes plants de campagne. On voit déjà
les premiers Niger et puis les Féverolles qui courbent la tête. Hein, les Niger qui sont déjà complètement, complètement terminés. Là, ils ont gelé, même avec ces petites gelées matinales qu'on a eues ces jours. Je sais pas ton avis par rapport à ça, si ça te pose un souci, ces plans de campagne comme elles sont maintenant. Bon, c'est un peu plus ça sur les bords, mais je fais pas trop de soucis. Mon seul... Ma question que je peux avoir, c'est de savoir si il y a une intervention au printemps. Alors là, bon, on va voir... Comment l'hiver se fait, on va laisser voir le développement de la culture, voir un petit peu si le couvert gèle bien. Ça sera au printemps de voir si on a quelque chose qui reprend, qui germe, et puis voir aussi la possibilité d'un sarclage éventuellement en fonction des résidus qu'il y a dans la parcelle. Lorsqu'on parle de lutte mécanique, ici c'est assez simple. On va parler de lutte mécanique directe contre les adventices, par exemple par des sarclages, des passages de RC-tri ou d'autres machines, afin de limiter la pression adventice directement dans la culture. Mais aussi avant la culture, ça peut être l'intervention avec un déchaumage ou avec un labour avant la mise en place de la culture. Au niveau des méthodes de lutte chimiques, on va beaucoup travailler sur de la réduction de dose, que ça soit par une réduction globale de dose ou alors des applications ciblées, que ça soit en bande ou sur des zones cibles de la parcelle. Le colza a fait son chemin, il a levé. La couverture a mis un peu plus de temps. Il y a eu quelques mauvaises herbes annuelles. Qui ont levé, mais on ne faisait pas trop de soucis parce qu'on sait qu'elles vont crever, surtout sur les bords. Hein. On constate c'est dans ce système, c'est vraiment les bords qui sont un peu plus sales. Et voilà, donc on en a aujourd'hui où ben, le colza est magnifique. Mit diesen Projekten möchten wir neues Know-how schaffen, neue Erkenntnisse erarbeiten. Zum Beispiel wollen wir wissen, welche Maßnahmen sind auf dem Betrieb umsetzbar, welche Maßnahmen haben welche Wirkungen auf die Nützlinge zum Beispiel oder auch, was sind die Konsequenzen für das wirtschaftliche Ergebnis eines Betriebes. Das ist in Bestiret sogenannte Lernziele. Agroscope begleitet das Projekt wissenschaftlich. Die Forschungsanstalt hat die Aufgabe zu schauen, ob wir das Wirkungsziel und das Lernziel erreicht haben. 61, c'est le trèfle d'Alexandrie du coup qui dépasse. Alors nous, pour le suivi adventice des parcelles, on va effectuer trois types de notation par parcelle à trois périodes dans l'année. La première période, c'est après les désherbages d'automne, après les désherbages de printemps et avant récolte. La première notation qu'on va faire, c'est un inventaire de toutes les espèces qu'on va trouver. Donc on parcourt un W, c'est la méthode assez classique dans les relevés de flore. Et ça nous permet de couvrir toute la parcelle et de noter toutes les espèces qu'on retrouve. Donc on retient un peu les espèces adventices qu'on voit tout au long du trajet. Et à la fin, on va leur attribuer une note d'abondance et préciser si on les voit en graines ou pas. Sur ce trajet aussi, on va poser des cadres, donc on en pose 8 nous, et on va faire des estimations de volume, culture et adventice et sous-semis quand il y en a. La dernière notation qu'on fait, c'est des biomasses, et ça on va le faire juste avant récolte, donc sur ces cadres on va couper tout ce qu'on trouve, culture, sous-semis et adventice, et ensuite on sèche en laboratoire pour voir un peu les biomasses de chaque catégorie. Am Schluss des Projektes möchten wir wissenschaftlich gesicherte Aussagen haben, damit wir diesen ganzen präventiven Maßnahmen ebenfalls auf andere Regionen oder sogar auf schweizweit einführen können.